Huh. Scooch. Strap top. Whiz up. What's poppin', you guys? Welcome to Your Daily Look Channel. Je m'appelle Finessa. Je suis la youtubeuse officielle de la page Your Daily Look que vous pouvez aller suivre, que vous devez aller suivre sur Instagram, liker leurs photos. Et on a décidé de créer une chaîne YouTube, pourquoi pas, pour poster des vidéos comme des interviews avec nos collaborateurs, comme des vlogs, etc., etc. Et avant de commencer la vidéo, je tenais juste à vous dire que vous devez, vraiment vous devez, hit that subscribe button, like this video, suivre la page sur Instagram. An interview with the CEO of Your Daily Look. And yeah, let's just get right into it. Je vous présente le CEO of Your Daily Look. Roland Thierrot, 22 ans, belge, j'habite à Halle. Donc on va juste get right into the questions. Je vais te poser quelques questions personnelles. Oui, ça dérange pas. Pas de souci. Donc je vais juste te demander pour te décrire en quelques mots. Décrire en quelques mots. Qualitatif, cool et gentil. Voilà. Gentil. Oui. T'es sûr? Très sûr. Ok. Et vu que c'est toi le CEO de la page. Donc, d'office, t'as un lien avec la mode. J'aimerais juste savoir quel est ton style vestimentaire. Mon style vestimentaire, je peux passer du streetwear au menswear en fait. Je suis vraiment flexible. Donc, parfois, tu t'habilles vraiment en costume, cravate. Exactement. Et parfois, vraiment basket, chill. Tout à fait. Casual. Une question à propos de la page. J'aimerais juste savoir ce que c'est Your Daily Look. C'est quoi? C'est les références en fait, en tout ce qui est style vestimentaire. C'est une référence. On essaye d'aider les personnes avec leur choix vestimentaire, leur style, leur donner en fait leur donner leur pain quotidien de ce style. En fait, c'est ça. On vous nourrit de style. Et c'est quand et comment que tu as eu l'idée pour voilà, où tu t'es dit je vais créer une page où je vais commencer à poster des photos des gens, des styles des gens. Quand exactement? Enfin, on va dire un peu, ça fait 2 ans quand même que j'ai eu l'idée. 2 ans quand même que j'ai eu l'idée. Et j'ai mis en pratique en fait cette année sur Instagram. En fin février, début mars. Et avant Instagram, c'était sur? C'était sur Facebook. Et là, c'était à base d'articles. Il n'y avait pas plus de photos, c'était vraiment en base d'articles, donc lecture. Mais sur Instagram, c'est plus sur les photos. Et je pense que sur Instagram, il y a plus de personnes, donc ça sera un peu plus facile. Non, c'est pour ça avoir choisi Instagram. Exactement. C'est vrai, c'est vrai. Donc je suis partie faire un petit tour sur la page. C'est cool. J'ai vu que les photos, elles étaient vraiment top. J'aimerais juste savoir d'où, si c'est toi qui prends les modèles en photo ou bien si tu engages une photographe. Non, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est une photographe avec qui je travaille. Elle habite à Louvain. Je l'ai rencontrée sur Instagram aussi d'ailleurs, où je faisais une recherche pour une photographe. Et j'ai vraiment aimé sa manière de prendre les photos. La manière dont elle édite les photos, c'était vraiment super, c'est top, ça reste naturel et c'est ce genre de photos que j'aime. Elle est vraiment top, je laisserai son Instagram dans la D-box, mais c'est surtout pas aller checker ses photos. Et à propos des modèles photos, est-ce que c'est toi qui les choisis ou est-ce que c'est eux-mêmes qui t'envoient un message ou est-ce que tu as une équipe derrière qui... C'est un peu les deux en fait. Mais je préfère quand même choisir moi-même, je préfère quand même avoir ce genre de feeling, enfin affinité avec le style de la personne avant de commencer à lui envoyer un message ou de collaborer. Mais après, je demande quand même l'avis des personnes avec qui je travaille. Donc si tu travailles en équipe. Exactement. Si c'est la bonne personne avec qui je travaille ou pas. Et est-ce que tu reçois des propositions pour par exemple collaborer avec des entreprises, des marques montantes en fait aussi, et aussi des particuliers quoi. Et tu peux nous donner un exemple? Oui, par exemple, j'ai eu une demande très intéressante d'ailleurs. Une personne qui souhaiterait faire créer une cagnotte pour les étudiants, pour ensuite sélectionner les étudiants et leur aider avec leur bourse, en fait, leur bourse d'études. Et ça, c'est vraiment une des campagnes pour lesquelles j'ai vraiment envie de travailler avec. Ça aide des personnes aussi, et ce n'est pas que le style qu'on présente. Mm-hmm. Là, c'est vraiment présenter un projet qui sera utile pour tout le monde. C'est un peu ça. Une des dernières collaborations qui a été envoyée. D'accord. Donc si par exemple tu as une proposition en Angleterre, tu comptes faire
des shootings aussi Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Après, si c'est des propositions dans tout ce qui est fashion event, tout ce qui est professionnel, vraiment, ça ne me dérangerait vraiment pas de voyager jusqu'en Angleterre. Donc tu comptes vraiment voyager pour approfondir ton... Exactement. J'essaie vraiment d'être une référence, mais pour tout le monde et partout. Ok, c'est d'accord. C'est vraiment ça, le final. D'accord, d'accord. Jean, j'aimerais juste savoir quel est ton but final. Mon but final, comme j'ai dit, donc... c'était vraiment d'être la référence, vraiment être partout, quoi. Mettre aussi la Belgique sur la carte. Je pense que par rapport à ce qu'on fait, on peut aussi mettre notre pays en avant, quoi. C'est vrai, parce qu'on est très... Exactement. Ouais, et si maintenant, pourquoi conseillerais-tu aux gens Your Daily Look? Pourquoi je leur conseillerais Your Daily Look? En fait, ça peut vous aider, ça peut t'aider toi en tant que photographe, avoir comme exemple la manière dont on prend des photos. Ça peut t'aider toi à la personne qui souhaite avoir plus d'aspiration au niveau vestimentaire. Et si tu aimes juste Instagram, voilà, t'as de quoi regarder, t'as du contenu. Bonne réponse. Merci. Bonne réponse, Roland. Donc voilà, ceci est la fin de l'interview. Merci Roland d'avoir répondu à toutes mes questions. Avec plaisir. N'hésitez surtout pas à nous suivre sur Facebook, Instagram, all the information in the D-box down below. Et aussi, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Finessa. Vous avez le lien dans la D-box. Cliquez dessus. Appuyez sur le bouton abonner, sur la petite cloche pour avoir des notifications quand je upload a new video. And yeah, see you on the next video. Bye. Ciao. The CEO. CEO. Elle est si allée.